Ok, ok les amis, grosse nouvelle, je pense que pour les pétales est enfin de nouveau accessible. En tout cas, je suis dans un serveur, donc on va voir ensemble si ça fonctionne bel et bien. Mais normalement, je pense que ce pour les pétales fonctionne de nouveau et je vais pouvoir peut-être enfin faire une game. J'avais tellement hâte, ça fait des jours et des jours que j'étais parti. Je voulais trop jouer à Project Playtime, qui fait en fait tout simplement faire des vidéos. Donc on va voir si maintenant c'est possible. On va voir si on peut aller faire de nouveau une game sur Project Playtime. Et on espère que je la gagne. Allez, c'est parti, on balance l'intro les amis, let's go. Allez, je suis dans une game, donc je vais me mettre prêt et on va voir si je peux faire la partie. Ce serait vraiment cool si j'y arrivais. Donc voilà, il faut attendre que deux personnes encore passent start. Je veux jouer, ok les refs, parce que si ça tombe après cette game là, je pourrais plus jouer. Donc il faut profiter de cet instant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de me faire des saluts depuis tout à l'heure là. Comment tu vas, mon ref? Je te fais un petit coucou. Et si jamais tu veux pas me dire bonjour, bang, je te mets une balle comme ça, Scarlos. Ok, bah c'est un français en plus de ça, c'est un français. Ok, bah allez, j'espère pouvoir jouer là. Il manque plus qu'une personne qui doit m'être prêt. Attends, il va tout faire bugger, le serveur va crash. Et ce sera le ciao. Ce que j'espère pas. Allez mec, il faut que tu m'aides prêt. Sinon ça va jamais se lancer mon gâté. Je veux jouer. Ça fait tellement longtemps que j'attends de jouer. Allez, dépêche-toi. Ok, ça lance, parfait. Oh là, est-ce qu'on va pouvoir enfin jouer? Oh, c'est bon, je suis dans une game. Let's go. Waouh, c'était tellement tellement inespéré. Genre j'ai lancé le jeu comme ça en mode random. J'ai vu que ça marchait, je me suis dit oh là là, il faut que je lance la caméra, il faut que je lance le logiciel de tournage. Et là c'est bon les amis, je suis dans une game. Ce sera peut-être ma seule game de la journée. J'en sais rien, mais je compte bien en profiter avec vous. Bien évidemment, on va kiffer ensemble et on va essayer de faire ici qui est le plus facile, hein, bien évidemment. Donc hop, il faut faire tout simplement hop le plus rapidement possible. Il faudra aussi que si le jeu fonctionne à nouveau, que je gère un peu les perks et tout, et je vois un peu hop quelle est la perks la plus efficace actuellement. Hop, est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais pouvoir réussir? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Il ne reste plus que maintenant la plus compliquée. Oula, j'entends, attends, j'entends. Oh, Boxibou, il est là-bas. Il est là, Boxibou, attends. Hop, je me loigne un petit peu. Taper ma meilleure roulade, là. En gros, il reste plus que celui le plus compliqué. Il reste celui-là, là. Oh, lui, c'est vraiment, vraiment le pire. Je pense que d'ailleurs, personne n'aime le faire, celui-là. C'est pour ça que tout le monde le laisse. Je le tente ou pas, en vrai? Tant que je suis tout seul. En vrai, s'il n'y a pas Boxibou, je veux bien le tenter. Le truc, c'est que si jamais je veux foire, bah là, c'est Terminados. Hop, il va savoir que je suis là, je vais me griller. Donc, allez, allez, allez. On y croit, ce serait trop cool de revenir avec une petite victoire. Ok, tac, 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 tac. Non, j'ai raté, j'ai raté. Boxibou, il va se ramener. Je l'entends, il est pas loin, il est pas loin. Reunited, ok, je vais aller sauver un pote, les amis. Je vais aller sauver un pote. On va essayer d'aller l'aider. Hop, il faut que j'esquive ici et que je me fasse très discret. Si jamais il y a les petits casiers là, hein. On peut se cacher dedans, bien évidemment. Allez, on passe, on passe, on passe. Il est mort dans le sous-sol ou bien c'est comment? Non, non, c'est qu'il est encore avec les Minugi. Je vais essayer de l'aider, mais il faut que je trouve une trappe pour que je puisse l'aider en fait. J'entends Boxibou, j'entends Boxibou. Je stresse de fou. Boxibou, laisse-moi gagner, s'il te plaît. Laisse-moi gagner. Vraiment, là, j'ai trop envie de revenir avec une petite victoire. Si je peux enfin faire des vidéos sur Project, alors fais-moi ce plaisir, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, par contre, il a pas l'air de vouloir négocier avec moi. Je vais continuer d'avancer. Wow, wow, il me shot, les amis. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. C'est clairement pas le moment, c'est pas le moment. Hop, hop, allez, allez. Non, mais il est beaucoup trop rapide. En plus c'est une Boxibou, je sais pas si je l'ai celle-là, c'est la copine de Boxibou. Même pas comment est-ce qu'elle s'appelle. En tout cas je crois que c'est un skin vraiment extrêmement rare, non? Je sais pas si c'était dans la boutique ou pas. Mais là il va falloir que je me revive. Je vais devoir affronter les mini Ugi. Est-ce que j'ai envie d'affronter les mini Ugi? Absolument pas. Salut mon pote, comment tu vas? Toi aussi comment tu vas? Il y a du check pour tout le monde, ne vous inquiétez pas hein, si vous venez. Oh bah c'est bon, je suis déjà sauvé. Ok, là c'est une deuxième chance, il va pas falloir que je me foire. Il va vraiment falloir que je me concentre pour pas perdre bêtement. Et surtout que je regarde derrière moi. Où est-ce qu'il y a Boxibou? Parce qu'il m'a vraiment eu. Alors que je m'y attendais vraiment pas en fait. Il était en train de me poursuivre derrière, je l'avais pas vraiment entendu. Est-ce que je peux faire ça ou pas? J'ai l'impression qu'il vient tout le temps ici. Allez, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Ok, ok. Allez, pas trop compliqué s'il vous plaît. Hein, pas trop complexe. Ok, tac, tac. Je crois qu'il y a ici, ici. Et là, là. Ah non, je vais me foirer. Non! Ah non, j'étais pas loin. Attends, je m'éloigne un peu, je m'éloigne un peu parce que sinon je vais me faire cramer. On a vraiment quasi pas récupéré de jouets, hein. Là c'est vraiment la merde. Cette game là je la sens pas trop. Je pense que quand je pourrais, je prendrais vraiment la perse qui permet de gagner du temps là dessus. Parce que c'est le pire, vraiment moi ça me casse le cerveau à chaque fois. Ok, 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 ok. Ok, tac, 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 tac. Oh merde. Il arrive, il est là-bas, il est là-bas Boxibou. C'est quoi, ici non? Non, bah, j'arrête pas de me foirer. Tu vois, genre, oh non, 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 il arrive, il... ok, ok. Je m'éloigne, je m'éloigne. Je vais entrer rapidement. Vite, vite, vite. Je passe ici, je passe ici, je passe ici. Je monte les escaliers. Je sais pas s'il est en train de me poursuivre le Boxibou. J'ai bien l'impression que oui. Je suis jamais venu ici. Non, ça me dit rien bizarrement. Boxibou, t'es là mon ref? Attends, je passe là.
Voilà, pas de dégâts de chute. Je peux même me cacher à l'intérieur du casier. Jamais pour attendre un peu. Au cas où Booksibou se ramène là, au moins je suis un petit peu caché. Et surtout, bah je serai en sécurité, n'est-ce pas? S'il arrête pas de choper tout le monde là. Oh, j'ai tellement peur. Par contre, c'est quoi toucher espace? Pas ce que c'est. En vrai, peut-être que je fais pas de bruit. Je sais pas. Oh, il est en train de déglinguer absolument tout le monde. Là, il va vraiment falloir que j'aille aider mes frérots. Parce que sinon, on va jamais y arriver. On va jamais s'en sortir. Il faut que j'arrive à les sauver là. Parce qu'il y a plus que moi en fait, je crois. Mais je pourrais jamais gérer une game tout seul. C'est impossible. Surtout que j'ai pas encore eu le temps de vraiment avoir un niveau de psychopathe sur le jeu. Donc, oh là là, ça va être chaud. Ça va tellement être tendu. Faut vraiment que j'arrive à les sauver, hein. Là, il y en a un dans la main. Il y a pas une petite trappe là quelque part. Hop. Mais si, je peux passer ici. Il doit forcément y avoir une trappe d'ouverte ici. Allez, oui, là. Parfait. Vite. Venez, les refs. Je vais l'aider. Vite. Allez. Oh oui, c'est bon. Je l'ai eu. Ok. J'ai réussi à en sauver un. On va essayer de faire le tour ici. Allez, sur le truc de théâtre. Et on va essayer de sauver un autre pote. Là, vraiment, il faut qu'il survive encore. Il est en train de me poursuivre, je crois, non? Oh! Oh merde! Oh merde. Booksibou. Il va me choper, Ok, petite roulade. Aïe, c'est tendu. Non, elle m'a eu. La copine de Booksibou, elle m'a eu. Mais j'ai plus qu'une vie, en fait. Sauf que là, ça va être méga galère. On n'est quasi plus à être présent dans la game. Il me reste plus que deux vies. Et en plus, vous savez... Oh non, c'est bon, on est ensemble. Parfait, on va pouvoir y arriver. Comme on est beaucoup, on va pouvoir y arriver, je pense, tous ensemble. On va pouvoir essayer de survivre. Mais j'ai jamais vu un Huggy, là, un Wakugi aussi vénère, là. Ils sont combien? What the fuck? Ils sont tellement nombreux. Tout seul, c'est impossible de survivre, en vrai. Hein. Aïe. Allez, on peut s'en sortir, les refs. On peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut se faire sauver tous les trois? Vous pensez ou pas? Oh, il y en a tellement. On va éviter de les toucher. Par contre, tac. Tout seul, je serais déjà mort depuis bien longtemps. Par contre, s'il y en a qui sont sauvés au fur et à mesure, je risque de mourir très rapidement. Ah là, quel game compliqué. Le joueur là joue très bien le monstre. J'ai l'impression qu'il a joué méga longtemps, alors qu'au final, le jeu est tout le temps buggé et on peut jamais jouer. Mais là, ça, il n'y a plus personne avec moi. Il n'y a plus personne. Oh, c'est bon, j'ai réussi à être sauvé. Mais c'est du jamais vu, les amis. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu m'en sortir. Et on a encore beaucoup à être en vie. Quoi? Hein? Oh non, il est en train de me sauver. Oh, le faux espoir. Il est en train de me sauver. J'ai tellement le seum. Non. Mais non. J'étais en train de m'être sauvé. J'ai l'impression que c'est un peu plus calme au niveau des Huggy. Alors, c'est peut-être juste une impression. Oh oui. Sauve-moi. S'il te plaît, me relâche pas maintenant, s'il te plaît. Sors-moi de ce trou de merde. C'est bon? Ouais. Quoi? Non, Booksibou, campez devant. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas juste. Mais non, ça, c'est, franchement, c'est vraiment pas juste. J'ai tellement pas de chance, en vrai. Ah non, et Nico, je reviens ici et je me fais choper par le petit Huggy. C'est dégueulasse, elle a campé devant. Je savais qu'il y a des joueurs qui allaient faire ça. Du coup, bah là, j'ai perdu, c'est ça. Là, je peux pas jouer. Ah putain, le seum. Bon, écoutez, c'est pas grave, les amis. Je vais me contenter de cette première game. Comme ça, là, je vais pouvoir vous prévenir sur YouTube. C'est super important parce que je pense que vous êtes peut-être beaucoup à pas lancer le jeu en pensant que ça bug. Je vais monter rapidement la vidéo. Comme ça, vous êtes au courant que le jeu est de nouveau opérationnel. En tout cas, au moment là où je suis en train de jouer. C'est-à-dire, on est bel et bien le 20 décembre. Mardi 20 décembre, le jeu fonctionne. Donc, allez kiffer sur le jeu. Si, comme moi, vous arrivez à trouver une game, allez kiffer sur le jeu. Moi, je vais en profiter pour faire des vidéos sur le jeu. En tout cas, je vais essayer tant que le jeu est opérationnel. Non, il n'y aura pas de vidéo pour les bêta avant je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien stressé avec moi. C'était une game particulière, vraiment galère. Vraiment, j'ai tout donné, mais c'était vraiment compliqué de fou. Mais c'était très sympa de pouvoir retourner enfin ce projet Playtime. Ça fait un bien fou. Bref, les BG, si vous avez kiffé, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notif. Comme ça, vous ratez pas les futures vidéos de Project Playtime. Bref, des bisous les frites, prenez soin de vous, bien. Ciao, ciao tout le monde.